De l'US Speed Tour. Nous sommes de retour avec de nombreuses nouvelles surprises, dont pas moins de 8 courses urbaines palpitantes au cœur des plus grandes villes américaines. Nous parcourrons New York, Chicago, Las Vegas, mais aussi d'autres villes des quatre coins du pays. Dans ces 8 courses, chaque parcours épouse les contours uniques des rues de ces villes. Ils offrent une pléthore de longues lignes droites, de tronçons d'avenues emblématiques, de virages serrés à 90 degrés. Il va falloir trouver l'équilibre entre une vitesse optimale et un freinage rapide et réactif. Car le seul moyen d'arriver au bout de ces courses est de faire preuve d'une précision extrême et de réflexes exceptionnels. Rien de tout ça ne serait possible sans le soutien de notre partenaire, Motorflix. Et pour fêter le retour de l'USST, il propose une multitude de nouvelles récompenses pour tous nos pilotes. Elles comprennent 4 nouveaux véhicules, dont l'Audi R5 Coupé USTT Official Edition. Des pneus somptueux, vitres teintées incassables, toit amusant, fumée épaisse, nitro puissante, underglows lumineux et une sélection de klaxons unique. Les pilotes pourront également revêtir une toute nouvelle tenue, avec son casque assorti, bien sûr. Vous voulez ces récompenses? Participez à l'USST où tout est question de vitesse. Amusez-vous bien! Bienvenue à Lower Manhattan, le cœur battant de la ville la plus connue au monde. Si vous réussissez ici, vous réussirez partout. Cette zone est généralement encombrée par la circulation et les piétons. Mais aujourd'hui, les rues sont dégagées pour une course folle dans l'une des villes les plus verticales du monde. Parce que la course va commencer! Thank you.
Les pilotes devraient avoir une belle vue sur le pont de Williamsburg au loin, qui traverse le Lower East Side jusqu'à Brooklyn. Il s'agissait autrefois du plus long pont suspendu du monde. Il ne l'est plus aujourd'hui, mais reste une voie de communication importante. Vous reconnaîtrez Times Square et ses panneaux d'affichage géants. J'y suis moi-même allé pour de multiples fêtes du Nouvel An et il n'y a vraiment rien de comparable. Départ sur les chapeaux de roue pour l'US Speed Tour. C'était une course incroyable aujourd'hui. Et de nombreuses autres vont lui succéder. Quel départ sur les chapeaux de roue pour l'US Speed Tour. C'était une course incroyable aujourd'hui. Et de nombreuses autres vont lui succéder. Bienvenue à Lower Manhattan, le cœur battant de la ville la plus connue au monde. Si vous réussissez ici, vous réussirez partout. Cette zone est généralement encombrée par la circulation et les piétons. Mais aujourd'hui, les rues sont dégagées pour une course folle dans l'une des villes les plus verticales du monde. Tenez-vous prêts, parce que la course va commencer! Thank you.
Les pilotes devraient avoir une belle vue sur le pont de Williamsburg au loin, qui traverse le Lower East Side jusqu'à Brooklyn. Il s'agissait autrefois du plus long pont suspendu du monde. Il ne l'est plus aujourd'hui, mais reste une voie de communication importante. Vous reconnaîtrez Times Square et ses panneaux d'affichage géants. J'y suis moi-même allé pour de multiples fêtes du Nouvel An et il n'y a vraiment rien de comparable. Ces drapeaux appartiennent bien sûr au bâtiment des Nations Unies. 193 pays à ce jour, tous basés ici à New York. Thank you.
Nous avons brièvement aperçu l'Empire State Building devant nous et le Flatiron Building sur la droite. Ils vont tourner sur Columbus Circle, l'un des sites les plus célèbres de New York, mais aussi une destination de renommée mondiale pour dîner, faire du shopping et s'imprégner de l'ambiance de la grosse pop. Quel départ sur les chapeaux de roue pour l'US Speed Tour! C'était une course incroyable aujourd'hui. Et de nombreuses autres vont lui succéder. Quel départ sur les chapeaux de